Le pressing Sabino Canyon est une structure agréable pour le nettoyage des vêtements de tout genre, située en diagonale du carrefour Makayabu, non loin de la pharmacie de Luandjili. Ce pressing de luxe 20 sur 20, avec un personnel qualifié rompu à la tâche, vous offre des services de temps moderne, du lavage à l'amidon en passant par le nettoyage à sec. Aucune tâche ne résiste à Sabino Canyon, le spécialiste des vêtements multicolores. En cette période festive, Jacques Le Pèlerin, son promoteur, réserve une surprise à ses clients. Découvrons la surprise. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes en période de fête, mais très souvent, nous, c'est chaque année hein, qu'on le fait. Nous avons des clients fidèles qui sont avec nous depuis un certain temps. Et chaque fin d'année, nous avons toujours des promotions que nous faisons. Dans le cadre des habits, par exemple, les gens qui viennent déposer les habits, il y a toujours des réductions, en tout cas vraiment des réductions très importantes. Et puis, il y a aussi des t-shirts que nous offrons. Nous avons l'habitude d'offrir les t-shirts de meilleurs vœux, quoi, voilà, de fin d'année. Donc ça, c'est la semaine que nous allons commencer à partir de lundi, qu'on va commencer un peu à partager les t-shirts là à nos fidèles clients, voilà. Bon, mais ça devient un problème de chance seulement. Quand la personne arrive, c'est vrai que c'est toujours un client, c'est comme vous dites, même le fidèle aussi a commencé par un premier jour. Donc c'est lui qui vient déposer, peut aussi devenir fidèle. Donc quand nous disons d'abord les fidèles clients, parce que ceux-là, nous les listons, voilà, nous les connaissons, savons qu'il y a Babongi qui est là, il y a Arden Iwangu qui est là, il y a un tel, nous savons déjà que ceux-là ne doivent pas manquer. Maintenant, ceux qui viennent à peine d'arriver, eux aussi, par coup de chance, ils peuvent toujours avoir quelque chose. Ça ne manque pas, voilà. Les vœux, les meilleurs, simplement. Meilleurs vœux, voilà, merci. Très bien, bon, en fait, je dirais ceci, en 2022, ça veut dire que l'année que nous allons commencer là bientôt, nous avons quelque chose de très spécial que nous allons faire ici, au Pressing Sabino Canyon. Nous allons commencer peut-être à partir de janvier, et je sais que les gens verront. Parce qu'à plusieurs reprises, les gens sont venus me voir, ceux qui veulent apprendre la blanchisserie, m'ont toujours posé la question, comment nous allons faire, comment, parce que dans la plupart des temps, beaucoup de gens sont là, veulent connaître ce métier-là, mais ils ne savent pas où est-ce qu'il faut aller apprendre ça. Alors voilà pourquoi nous, on a voulu ouvrir un truc comme ça, qui pourra aider les gens à apprendre ce genre de métier. Donc la blanchisserie, je dirais que c'est un très bon métier, et j'encouragerais les Congolais d'apprendre. Donc je crois que le programme, nous allons donner ça à partir du mois de janvier. Nous donnerons le programme à tout le monde et les gens sauront comment est-ce que nous allons avancer avec ce programme-là. Voilà. Très bien, merci. Pour cette année qui vient de terminer, en tout cas, nous remercions le Seigneur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, mais ça, ce n'est pas à notre niveau seulement. C'est au niveau mondial. Nous connaissons un peu ce que le corona est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Mais nous, on a quand même eu la chance au niveau du Congo, je peux dire, en Afrique aussi. Il n'y a pas eu trop de cas graves. Bon, il y a des gens qui sont morts, c'est vrai, mais le nombre n'était pas aussi comme celui de l'Europe ou encore des États-Unis. Donc, il y a eu quand même des perturbations jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons comment. Mais par la grâce de Dieu, on a quand même fini l'année. Nous remercions le Seigneur pour ça. Donc, ça a été une année difficile, mais Dieu a fait grâce que ça puisse quand même passer. Et nous pouvons dire que si on peut faire le bilan est toujours positif. Toujours positif, c'est bien. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, on a quand même pu les surmonter, quoi. Bon, mais pour l'année 2022, je crois que ça sera une année un peu plus meilleure que l'année 2021. L'année 2021 va finir, nous allons commencer avec l'année 2022. Nous souhaitons, voilà pourquoi quand j'ai dit les vœux les meilleurs, donc nous souhaitons que ça soit une année un peu plus meilleure, plus excellente, et puis plus, en fait, rentable, quoi. Donc tous ceux qui font des activités, parce que partout, nous voyons, surtout à notre niveau au Congo, on a ouvert un peu tout. L'année passée, on n'a pas pu fêter comme nous allons fêter cette année-ci, par exemple. L'année passée, on ne serait pas là maintenant, là. Or, cette année, on nous dit de rester là jusqu'à vous connaissez. Donc, ça, je crois déjà que ça commence bien. Et je crois aussi que tout ce qui commence bien finit bien. Donc, ça, voilà pourquoi je crois que l'année 2022, ça sera une année exceptionnelle, un peu plus spéciale et plus meilleure que 2021. Voilà. Sabino Canyon, nous sommes juste au carrefour de Makayabu, pour tous ceux qui connaissent, parce que nous recevons beaucoup de clients qui quittent très loin, qui viennent de loin. Je dis bien de loin, de très loin même. Vous allez être surpris, même moi-même quand je suis ici, parfois ça me surprend de voir les gens qui quittent même depuis Panneau 50 là-bas qui amènent les habits ici, depuis d'autres, parfois même depuis Luango qui amènent les habits ici, depuis le péage de Mengo qui amène les habits ici, tout ça, depuis Ngoyo parfois qui... Bon, ça nous surprend même nous-mêmes, nous ne comprenons pas pourquoi, mais nous connaissons que c'est la grâce de Dieu, c'est vrai. D'abord, le savoir-faire, c'est vrai que nous faisons bien pour la plupart de nos clients qui nous connaissent déjà depuis longtemps. Ils savent qu'ici, le travail se fait très bien, mais en dehors de ça, il y a la grâce de Dieu aussi qui est là. Donc ça, on ne peut pas manquer de le dire, quoi. Voilà. Bon, le numéro de téléphone du pressing, c'est le 05, voilà, le 05 000 90 41. Ça, c'est le numéro du pressing. 05 000 90 41. Voilà, ça, c'est le numéro du pressing Sabino Canyon qui est situé au carrefour de Makayabu. Merci beaucoup, je vous remercie.